Morgan Aleiden, les tu seras aujourd'hui les Elohim Nishmat, Rivka Batsara, Rachel, Rachel Batsara, Fiosephine, Madame Asimcha, Peggy Bat Esther, Moshe Ben Sultana, Moshe Michel Ben Machlouf, Zohara Rosette Bat Sultana, et nous étudions Sanhedrin, Perek Aleph, Mishnah Bet, Makot Bishlosha, Mishora Bishmel Amru, Beesri Mushlosha, Ibu Achodesh Bishlosha, Ibu Rashana, Bishlosha, Divrei Rabbi Meir, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Bishlosha Matrilin, Ubachamisha, Nosim ben Otnin, Venomrin, Meshiva, Vengamu Bishlosha, Meoberet. On continue, le premier Perek de Sanhedrin, ça va être le même sujet qui va revenir dans quasiment toutes les Mishnah jusqu'à la fin du Perek. Combien de juges doit-on désigner selon les types de jugements à délibérer ? Qu'il s'agisse des lois de différents d'argent, c'était la Mishnah d'hier. Et hier, on a pris toutes sortes de dîners d'argent, de la chôte d'argent. Donc, les prêts avec des trois juges classiques, normaux. Après, on avait vu les lois, les évaluations des dommages, où il fallait cette fois-ci des juges smuchim, mumchin. À partir de maintenant, tous les juges qu'on va parler, ça va être des juges mumchin, experts, qui ont été nommés, comme on avait expliqué, par leur maître. On apprendra dans la suite des Mishnayot, comment exactement les nommer. Dans notre Mishnah, maintenant, on va continuer avec un nouveau cas de Makot Bishlosha. On frappe avec trois. Soit, pour la plupart des interdits lotasé, des mitzvot négatives, les interdits de la Torah, celui qui transgresse et qui a été averti, comme on apprendra plus tard avec des témoins, il est maintenant passible de Malkout, flagellation. On doit le frapper 39 coups, il y aura tout des halakhot qui seront explicités plus loin. Et combien de juges doit-on désigner pour délibérer de ce type de procès? Alors, Makot Bishlosha, avec trois juges uniquement, cela suffit. Mishum Rabbi Shmuel Amrou, pour au nom de Rabbi Shmuel, on a rapporté qu'il faut Be'esrim ou Shlosha, 23 juges. Vous imaginez la différence? Elle est très simple en réalité. La notion de 23, on l'a déjà évoquée hier. Elle sera explicitée dans la Mishnah d'Alet ou Hey, il me semble, où là-bas on apprendra que les lois de condamnation à mort doivent être délibérées avec 23 juges. 23 juges, on apprendra la source exactement, 10 plus 10 plus 3 pour faire le déséquilibre. On apprendra tout ça. En tout cas, donc c'est 23. Et là, on apprend en fait une discussion intéressante, à savoir, frapper, est-ce que c'est de l'ordre uniquement des jugements classiques, donc jugement classique, un Beddin classique, à chaque fois dans la Torah, on parle de juger au pluriel, au pluriel, il faut plusieurs juges, deux au minimum, or, on ne peut jamais juger avec deux, puisque s'il y a un différent entre les deux, s'il y a une discussion entre les deux, il n'y aura personne qui va pouvoir faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, donc on rajoute un troisième juge, ça fera trois juges, c'est le premier avis. Mais selon Rabbi Ishmael, alors, il a un limoud, on apprend par Xera Shava, juxtaposition entre deux sujets, entre les condamnations à mort et les condamnations des Malkout, de la flagellation, il apprend qu'il faut 23 juges, d'accord? Nous, autre sujet maintenant, Ibur HaChodesh Bishlosha. Si vous allez voir, dans la Mishnah, on va évoluer, on va parler des trois juges, puis ensuite on va parler d'autres situations où il y a, comme ce qu'on va voir tout de suite, des cas où il faut 3, 5, 7 juges, après on va passer à 10 juges, puis après on arrive à 23 juges et 71 juges pour la fin du Perek. Donc on a maintenant Ibur HaChodesh Bishlosha. Définir, vous savez bien, le calendrier lunaire. Les juifs se fondent sur le calendrier lunaire. Le cycle de la lune prend Kaftet, Yudbet, Tashtag. Il prend 29 jours plus 12 heures plus Tashtag. Ça va faire 793 Chalakim de 1080 de Tatraf. D'accord? C'est le calcul exact. Donc maintenant, on se retrouve toujours avec des mois pleins et des mois vides. Pour désigner le début du mois, l'année Oménie, alors il fallait, à l'époque du Beth Amikdash, désigner, aller au Beth Din, on partait, on témoignait, tout ça c'est explicité dans Rosh Hashanah, Maseret Rosh Hashanah, on partait au Beth Din, deux témoins partaient, ils disaient qu'ils avaient vu la lune dans son nouveau cycle, ils avaient vu le nouveau petit croissant apparaître au loin, et on décrétait que ce mois-là allait être, ce jour-là allait devenir le Rosh Chodesh. Selon le mois, on attendait au Beth Din, à partir du 30e jour, est-ce que les témoins allaient venir au 30e jour, on allait dire que finalement, ce 30e jour, ça en réalité le premier jour du mois suivant, ou ils n'allaient pas venir et on allait attendre le lendemain pour désigner que le Rosh Chodesh est fixé pour le lendemain. Et la Mishnah nous enseigne que
recevoir les témoins pour décider est-ce que l'on est aujourd'hui le est-ce qu'on débute le mois aujourd'hui ou non. Alors ça se fait avec trois juges. On a utilisé le mot de Ibur Achodesh, le Bartanoï l'expliquera, on parle en réalité de Kiddush Achodesh, d'être Mekadesh. Mekadesh le mois. On sanctifie le mois, on dit que le mois, le nouveau mois, il est entré. On est entré dans le mois de Kislev, de Tevet, de Shvat. Ça, c'est Ibur Achodesh. Ensuite, Ibur Hashana. Bishlosha, Divrei Rabbi Meir. Alors, Ibur Hashana, vous savez bien aussi, le calendrier dans la Torah, on doit. Certes, on calcule les mois selon le calendrier lunaire, mais on ne peut jamais aussi se déconnecter du cycle du soleil. Soit 354 jours ou 355 jours pour l'année lunaire, avec 365 jours, un quart pour le calendrier solaire. On se retrouve avec tous les 3 ans, plus ou moins un décalage d'un mois, donc on rajoute un mois, c'est ce qu'on appelle le Hadar Bet. Ça, c'est... Donc, on a des repères. Il y a certaines fêtes, ça va être tout explicité dans le Barthénois, il y a certaines fêtes, à Pessah par exemple, ça s'appelle Chodesh Aviv. À Pessah, c'est le mois du printemps dans lequel on va apporter le lendemain, on va apporter le Korban à Omer, avec les prémices de l'orge. On va avoir Shavuot avec les fruits, on va avoir la fête de Sukkot, qui est la fête où là-bas il y a le début des pluies. Et donc tout ça, c'est des repères qui vont faire que l'on ne peut jamais se déconnecter du cycle solaire et fixer le calendrier lunaire. On est obligé de prendre en considération plusieurs éléments tout au long de l'année, de voir si on n'a pas pris un décalage trop violent. Est-ce que lorsqu'on prend un décalage trop fort, on va se retrouver par exemple avec un Pessah qui ne va pas être encore au moment du bourgeonnement, d'accord, on va être trop plongé dans l'hiver, donc Rachamim m'ont décidé, le Beddin se réunissait, le Sanhedrin, le Beddin se réunissait en fait avec le Nassi, on se réunissait et on décidait que cette année, on allait rajouter un mois supplémentaire, ce qui s'appelle le Hadar Bet, le deuxième mois de Hadar, d'accord. Aujourd'hui, bien sûr, on n'est plus confronté à tout ça, parce que l'un des derniers Tanaïm descendants de Hillel, qui s'appelait aussi Hillel, il a établi un calendrier, et il a sanctifié tous les mois à venir et toutes les années, tout ça, il nous a établi un calendrier fixe, pour tout l'exil, étant donné qu'on n'allait plus avoir la facilité, la possibilité de se réunir pour décréter, d'accord, ça s'est perdu, vous imaginez bien les pogroms qu'il y a eu pendant tout au long de l'histoire juive, il avait vu ça, que ça avait commencé déjà à son époque, il a fixé un calendrier pour toutes les générations à venir. Mais initialement, ça se passait que chaque année, on se réunissait et on jugeait. Il y avait plusieurs facteurs. La Gemara rapporte par exemple, qu'on regardait, est-ce qu'on allait avoir assez d'agneaux pour Pessah? Ou est-ce que les agneaux étaient trop maigres? Est-ce que les routes n'étaient pas trop cabossées? Et ceux qui allaient venir depuis, même venir depuis Babel à Jérusalem pour apporter le Corban Pessah, est-ce qu'ils allaient pouvoir venir ou ça allait être trop pénible? Et selon ça, on décidait de rajouter un mois. Il y avait plusieurs facteurs, c'est très intéressant, des Gemara très intéressantes, étudiées dans la Sérat Sanhedrin, pourquoi pas. Donc ça, pour décider, est-ce qu'on avait tous les facteurs nécessaires, toutes les conditions nécessaires pour décréter qu'on allait avoir un mois supplémentaire, combien de juges fallait-il pour cela? Alors, Bishlosha, trois juges. Il fallait qu'il y ait, en plus de ça, le Nassi, je ne sais pas si ça va être rapporté dans le Barthénois, mais en tout cas, ça va être rapporté dans la Gemara. Le Nassi, c'était le grand maître de la génération, descendant de Yehuda, depuis Hillel Hazaken, tous les Rabban Gamliel, Rabban Shimon Ben Gamliel, et en général, on appelait Rabban celui qui était le Nassi, justement. D'accord? La vie de Rabbi Meir, donc, il fallait trois juges. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel pense qu'il faut Bishlosha Matrilin, on commence avec trois juges, ou Bachamisha Nosin Venotnin, avec cinq juges, on débat, des Gomrin Beshiva, et on conclut le jugement avec sept. Vim Gamru Bishlosha, mais ou Beret, ou Mekoudeshet, je sais pas si tu dis, mais ou Beret, l'année elle est décrétée comme triple. Soit, il nous dit comme ça. Il nous dit, c'est pas, il veut tout d'abord que l'on convoque sept juges. Concrètement, il a besoin d'apporter sept juges pour décider. Mais on ne va pas tout de suite réunir sept juges pour commencer à débattre de la question. On va d'abord se concerter en comité restreint, trois juges. Et selon les trois juges qui vont décider, si deux juges vont être favorables de faire une année, mais d'abord ils vont prendre le cas où ils sont défavorables, ils pensent que ce n'est pas nécessaire de débattre de la question, on conclut l'histoire. On ne va pas décréter l'année Méhouberet, on ne va pas décréter l'année bissextile en rajoutant le mois de Hadar Bet. Si toutefois deux juges sont favorables, alors on ne va pas trancher tout de suite. On va porter deux juges supplémentaires, on va continuer à débattre. On est maintenant cinq.
S'il y a 3 défavorables, on clôt l'histoire. S'il y a 3 favorables, alors on apporte encore 2 juges supplémentaires. Et alors là, on procède et on commence maintenant à analyser clairement la situation, les paramètres, les conditions, et on tranche que l'année sera Mouberet. Toutefois, si on a malgré tout, lorsque les 3 se sont concertés et ils ont conclu, ouais, c'est bon, c'est pas la peine de réunir tout le monde, on décrète que l'année est Mouberet, l'année sera désormais décrétée comme Mouberet. D'accord ? On fait à présent le Vartenora. Makot Bishlosha. On frappe la flagellation avec 3 juges. Malkut Arbaim. Le fait de frapper les 40 coups. Ce sera explicité longuement, plus loin, comment on frappe. Ce sera en fait plutôt dans Maseret Makot, pas dans Sanhedrin. Mais c'est pas grave. Bishlosha. On aura l'occasion d'en parler longuement. Bishlosha, il faut 3 juges. Dirtiv, comme le Pasuk le dit, d'où on apprend qu'il faut 3 juges. Venigeshu à la Mishpat ou Shfatum. Ils viendront, lorsqu'il y aura un qui sera fâché contre l'autre, qui voudra que l'autre il doit transgresser un interdit face à lui. Et donc, Venigeshu à la Mishpat, ils s'approcheront, le Pasuk dit, ils s'approcheront eux au jugement, et ou Shfatum. Et ils le jugeront au public, au pluriel. Or, Shnaim, donc on déduit qu'il y a déjà 2. Ven Beddin Shakul, et on ne peut pas avoir un Beddin qui est équilibré. C'est pas possible, il faut trancher son la voix de la majorité. Donc, si finalement Od Echad, on ajoute sur eux encore un juge supplémentaire, Arikan Shlosha, ça fait donc 3 juges. Rabbi Shmuel Omer, Besrim Bishlosha. Selon Rabbi Shmuel, il faut 23 juges. Pourquoi ? Atia, Racha, Racha. Il apprend ça par juxtaposition du mot Racha, Racha. Ktivacha, dans la paracha qui nous parle des malkoutes, de frapper. Alors, il y a marqué là-bas le mot racha. Ve'irshiyu et aracha. Ve'itzukatzazeg, irshiyu et aracha. Il y a là-bas le mot racha. Ve'ktiv atam. Et dans un autre pasouk qui parle de condamnation à mort, il y a écrit là-bas Asher hu racha lamut. Que c'est un racha qui doit mourir. Un racha, un mauvais. Ma'alalan be'kav gimel. Afkan be'kav gimel. Autant que là-bas, c'est avec 23. Kav gimel en gematria, ça fait 23. Afkan be'kav gimel. Ici aussi, avec 23 juges. Ibur achodesh. C'est quoi le ibur achodesh? Le décréter le nouveau mois. Alors le Vartenora nous d'abord résout un petit problème technique. C'est le mot Ibour qui ne plaît pas. On va pas allonger dessus, ça va être trop long. On va trop sortir du cadre. Mais en tout cas, il y a un problème avec le mot Ibour à Chodesh parce que c'est pas toujours décrété selon le Bet Din. Ça dépend si le mois il est plein ou vide. Alors il nous dit non, faut lire en fait Kiddush à Chodesh. Il faut expliquer à la Mishnah qu'on parle de Kiddush à Chodesh, de sanctifier le nouveau mois. Ve'aide debel et mitne Ibour Hashana, étant donné que pour la suite de la Mishnah on va parler de Ibour Hashana, décréter que l'année sera bisextile, alors on a aussi parlé de Ibour, utiliser le mot Ibour. Ibour ça vient de enceinte, le mois il est enceinte donc il est plus rempli. Tananui Ibour à Chodesh, c'est pour ça aussi qu'on a utilisé le terme de Ibour pour le mois, la néoménie. Begimel Matrilin. Donc on est maintenant dans la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. Combien de juges doit-on convoquer pour débattre de l'année bisextile? 3 pour débuter. Lirot imiyash loshiv bet din alkar. D'abord voir s'il y a nécessité de convoquer un bet din plus important, un tribunal plus important pour débattre de la question. Im echad ma'agimel omer tzarich bet din leishev ou leayen im tzricha shana zo leaber. Si on va avoir un juge favorable sur la nécessité de convoquer un bet din et de voir s'il faut effectivement décréter l'année bisextile, quels sont les facteurs? Mipne Atkoufa, par exemple, l'Atkoufa. L'Atkoufa, c'est le début des saisons, tous les 122 jours, si je ne me trompe pas, ça n'a pas l'air. Ouais, moi, divisez 365 par 4 et vous arriverez aux 0 euros. D'accord, j'ai deux têtes un peu dures. Devant la caméra, je suis un peu intimidé, il ne faut pas le croire. Et donc, Mipne Atkoufa, Vea, vivons encore le fait qu'on ait le printemps, Vea Perot, le fait qu'on ait besoin des fruits, à chaque fois, on a besoin d'apporter les fruits au Bikurim. Et donc si les fruits ne sont pas encore mûrs du tout, alors, donc si l'un affirme que c'est nécessaire, les fruits sont trop petits, les deux disent non, ça suffit, on évalue, on n'est pas encore arrivé à Shavuot par exemple, on est 2 mois en avance, ouais, 3 mois en avance même, on peut être à la fin du mois de Hadar même, pour décider, bon, on aura devant nous Nissan, Iyar, jusqu'à Shavuot, ils disent non, c'est bon, ici encore 2 mois avec le soleil qui va sortir, tout ça, les fruits seront assez gros, c'est une question d'évaluation. Alors, 2 affirment que c'est pas nécessaire, chez Engan Safek, donc il n'y a aucun doute, des Vadaï Enasricha Yebour, il n'y a aucune nécessité de décréter cette année bisextile, Batel Yachid Bemiuto, le 1 qui pensait qu'il fallait convoquer le Beddin s'annule parce qu'il est la minorité. Shnaim Omrim Leishev, 2 qui affirment que c'est nécessaire de convoquer un Beddin
plus important. Vechadomer shelo l'échev et un dit que non. Alors olchin achar shnayim, on ira selon la voix de la majorité des deux. Ou mosifin ol shnayim achirim sheisu veitnu vadavar. On rajoutera donc deux juges supplémentaires pour continuer à débattre de la question. Est-ce qu'il faut qu'on convoque un juge, un tribunal plus important? Vehareka nchamisha. Et donc on est arrivé pour le moment à cinq juges. Et qu'est-ce qu'on fera? Donc shnayim omrim tzarich la'aber vegimal omrim en tzarich. Si on va se retrouver dans une situation où deux disent que oui, il faut convoquer un beddin, ou bien il faut tout simplement décréter l'année bissextile. Avec Gimel Omrim, Enserich et trois prétendent que ce n'est pas nécessaire. Batlou Shnaim et Miotan, idem. Deux s'annuleront devant les trois. Mais Shnaim Omrim et Natsricha, par contre, deux qui disent que ce n'est pas nécessaire. Avec Gimel Omrim et Tsricha, trois disent que c'est nécessaire de convoquer un beddin, parce que l'année semble avoir tous les signes nécessaires requis pour décréter l'année bissextile. Alors, Olchin Acharov, on ira d'après la majorité. Ou Mosifin Ot Shnaim, Sheyu Shiva, ou Me'abrin Ota. On ajoutera alors deux juges supplémentaires pour arriver au nombre de 7, et on décrétera l'année bissextile. Obagma, Mefarej, Dane Gimel, Mechamisha, Meshiva. D'où c'est quoi cette histoire? 3, 5, 7. Pourquoi? D'où ça vient? Quelle est la source? Alors dans la Gemara, on rapporte une des sources, il y a deux sources qui sont apportées, mais en tout cas l'une des deux sources c'est Keneged Birkat Kohanim, dans la bracha de la Birkat Kohanim. Si vous êtes attention dans la Birkat Kohanim, Yevarecha Hashem Yishmerecha, Ya'er Hashem Panav Elecha Vichoneka, 3, 5, Issa Hashem Panav Elecha Ve'azem Lecha Shalom, 7, 3, 5, 7. Le Tifer d'Israël rapporte, on a une allusion dans ça, qu'on veut qu'on ait une année où il y a plein de bracha dedans. Donc on commence avec 3, on va voir la bracha des trois premiers mots de la Birkat Kohanim, après 5. Comme ça, on fait une allusion à la Birkat Kohanim. C'est un peu difficile à comprendre. Il doit sûrement y avoir des raisons bien plus profondes. Mais là n'est pas notre sujet. Et donc, le Barthanois nous dit « Obagma mefarech d'ane gimel chamisha ve shiva » les 3, 5, 7, d'où ça vient ?« Kaneget Birkat Kohanim » « J'ai pas besoin de chercher le chat et votre » Dans le premier pasouk, 3 mots. « Obashen y chamisha » Dans le deuxième pasouk, 5 mots. « Obashen y shiva » Et la fête Rabban Shimon ben Gamliel. Et la fête est établie comme Rabban Shimon ben Gamliel, que l'on procédera donc 3, 5, 7. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.